Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision. Juste avant de commencer TV 168, un petit point sur l'avenir de la chaîne. Et oui, on est au début du mois de mai. On se retrouve tout le temps, comme d'habitude. Et puis notamment dans 2 mois pour un été de folie. Vous allez voir, ça va être la folie cet été. Plein d'archives intégrales, des passions habillages à tort larigot. Enfin bref, vous allez adorer, j'en suis sûr. Ce sera cet été, juillet-août. Mais juste avant, fin mai, là, dans TV 168, il y aura le grand retour du hit de la télévision pour un mois. Vous verrez ça. Dimanche 6 mai 2018, TV 168, numéro 45. Et voici maintenant le rayon actuel sur Génération Télévision, bienvenue dans CTV 168, et on va parler de France 2. Et oui, on va en fait parler que de France Télé aujourd'hui, mais d'abord de France 2 avec Théo Café. On l'a appris dimanche dernier très tôt, c'est normal, c'est l'heure de diffusion, des Lève-tôt, puisque c'est Théo Café, l'émission de Catherine Sella, qui va s'arrêter, non pas à la fin de la saison comme on pourrait le penser, non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Arrêtons ça en décembre prochain, oui, en décembre prochain, à la fin de l'année 2018. L'émission est programmée le samedi à 10h et le dimanche à 7h45. Elle reviendra donc pour 4 mois avant de s'arrêter. On ne sait pas ce que Catherine Sellac va faire puisqu'elle est salariée de France TV. France 2 toujours, mais cette fois-ci Olivier Mine. Vous savez très bien que chaque année c'est un petit peu le ménage avec lui, puisque il est toujours un petit peu bouche-trou sur certains jeux, certaines émissions, et puis à la fin il se retrouve toujours avec Fort Boyard. Et bien cette année ça va être évidemment comme ça, mais cette année eh bien il va rester dès le mois de septembre, puisque en fait on aura la fin de 5 anneaux d'or qui était diffusé le samedi à 18h en hebdomadaire. Ça sera donc terminé pour ce jeu. Ça sera également le retour de Joker qui reviendra donc à sa place à partir du mois de septembre. C'était un jeu qu'il avait déjà animé il y a quelques temps. Et puis on ne sait pas ce qui va se faire pour le jeu produit par Nagui, Tout le monde a son mot à dire, qui est diffusé le lundi au vendredi à 18h sur France 2. Affaire à suivre. Et puis maintenant on va parler de séries. Vous savez, je vous parlais il y a quelques temps que France Télévisions voulait créer avec toutes les grandes chaînes TF1 M6 un grand truc pour contrer Netflix. C'était le but de la sorte. Ils n'ont pas malheureusement ils n'ont pas vraiment réussi à faire ça, tu m'étonnes. Alors ils ont dit bah tiens, on va faire ça avec les groupes de l'Europe. On va faire avec la RAI en Italie et puis avec la ZDF en Allemagne. Et voilà, c'est parti pour l'Alliance. C'est une alliance franco-suisse-italienne pour faire des projets de fiction grande envergure. Premier arrêt en 2019 avec Leonardo. Ceci est un communiqué des salariés en grève de l'ORTF. Nous, les 12 000 techniciens, journalistes, réalisateurs, ouvriers de la télévision et de la radio française, avons décidé de cesser le travail. Le RTF est aujourd'hui la chose du gouvernement. Celui-ci doit être indépendant. Il ne l'est pas encore. Son conseil d'administration est nommé par le gouvernement. Le gouvernement peut supprimer une émission, un reportage ou renvoyer un journaliste à sa guise. Cette bataille vous concerne tous. Les grévistes de l'RTF luttent pour vous. Ils ont besoin... Bonsoir, à l'heure où nous vous parlons, les forces de l'ordre sont toujours sur le terrain en ce 10 juin. Des nouvelles dramatiques viennent de nous parvenir. Nous allons être ensemble ce soir avec nos reporters, nos envoyés spéciaux sur le terrain, nos experts ici en plateau pour tenter de décrypter ces événements. Bonsoir.
bonsoir à tous. Les rédactions régionales de France 3, l'ensemble de la rédaction de France Info se mobilise ce soir. Parfois, il y a des petits bijoux de génie à la télévision. Lundi soir dernier, je crois qu'on en a eu un très très beau. Reconstitution d'une édition spéciale qui aurait eu lieu sur l'ORTF, mais en fait, qui a lieu en 2018. J'explique, c'est en fait une édition spéciale comme on les connaît en 2018 avec France Info, France 3 Région. Mais diffusé comme si c'était en mai 68, en direct, live, avec Émilie Tran Nguyen et Jamel Mazzi. C'était vachement intéressant, et puis l'ORTF bien reconstitué. Vous reconnaissez cette musique, c'est évidemment la musique des retransmissions en Eurovision de programmes à la télévision française. Et cette semaine, c'est la grande semaine de l'Eurovision, le concours de la chanson, hein, bien évidemment, à Lisbonne, au Portugal. On sera tous derrière Madame Monsieur samedi lors de la grande finale en direct sur France 2, mais avant il y aura les deux autres petites finales, les demi-finales, pour tous ceux qui ne font pas partie des organisateurs fondateurs de l'Eurovision, de participer. Ce sera mardi et jeudi à 21h, toujours sur France 4 cette fois-ci par contre, avec notamment Christophe William, je crois, et André Manoukian qui seront là. Et puis pour la grande finale, on aura également, je pense, peut-être Amir hein, ou Alma ou les deux qui seront dans le coin. Enfin bref, l'Eurovision 2018, c'est toute la semaine sur France Télé, et puis bien sûr samedi avec En route vers l'Eurovision d'abord, et puis bien sûr après la grande finale avec Madame Monsieur pour la France. Bonne chance l'Eurovision. Voici maintenant l'agenda pour la semaine prochaine, une autre semaine bien remplie. Dimanche, je propose de regarder le documentaire de France 5, Tous Paysans. Ça peut être sympathique, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit. Et puis n'oubliez pas, jeudi, c'est le grand prime d'affaires conclu avec Sophie Davant. Ça sera un jeudi de l'Ascension. Certains sont encore en vacances d'ailleurs, comme moi. Et puis samedi, mais aussi mardi et jeudi, tiens, sur France 4 et sur France 2 samedi soir, l'Eurovision 2018 au Portugal, la grande finale. Autre semaine de vidéos sur Génération Télévision, on se retrouve lundi avec un bonus de TV Information. Ça sera la météo de France 2 durant l'année 2006 avec Nathalie Riouès. Mardi, ça sera un autre bonus, celui de la télé appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça sera Télématin, le jour de son anniversaire, le 10 janvier 2015, le jour pile des 30 ans. Vous imaginez bien, malheureusement, qu'ils n'ont pas vraiment fêté l'anniversaire ce jour-là, tiens. Ça sera mercredi et jeudi que l'on s'intéressera à l'archive, avec la présentation mercredi et jeudi la vidéo, qui sera consacrée à vos régions sur D8 avec Grégory Galifi. Vendredi, ça sera un bonus de l'archive consacré à Succès Fou sur TF1 1990, et puis Arrêt sur Télévision samedi sur Apprendre ou à laisser. Et puis on se retrouvera dimanche prochain pour le 46e numéro de TV 168. Nous serons le 13 mai ? Oui, c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle semaine à tous. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.